On est d'accord sur le deal. Le deal, c'était faire jouer cet effectif. Voilà, je savais avant de venir. Je ne vais pas vous parler des faiblesses, je suis positif. Donc, avec ce groupe, on peut faire un bon championnat. Après, qu'est-ce qui va se passer dans les 15 jours ou 18 jours qui restent pour le mercato? Franchement, je le sais pas. On fera des réajustements par rapport aux éventuels départs. Point. J'ai vu Grenier, j'ai vu Cyprien, j'ai vu Ben Arfa. Ce ne sont que des bons joueurs. Que des bons joueurs. Mais le deal, c'est si un joueur part, soit on peut se faire prêter quelqu'un, soit on monte un jeune du centre. Voilà, c'est tout est clair. Donc attendons les 18 jours pour savoir qui peut partir. Et s'il fait un trou dans l'effectif. D'accord? Si c'est un joueur très important dans l'effectif, bon, obligatoirement, est-ce qu'on a la rechange? Ou est-ce qu'il faut se faire prêter quelqu'un? Entre le mercato et le virus, je peux vous dire que les nuits sont courtes. Les nuits sont courtes parce qu'il vous faut, dans l'éventualité de, voilà. Donc on sait que demain on peut avoir une proposition pour X, Y ou Z. Alors ça va vous déranger ou moins vous déranger. Et le virus, c'est encore pire.